Et salut les amis, on se retrouve sur Planétoïd Pionnier. Et donc, sans plus attendre, on va se lancer tout de suite dans le jeu avec cette musique. Cinématique courte, mais intense. Des explosions de partout. Primoïd, plain. D'accord. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon. On va choper tout ça. Les petites musiques du plaisir. Par contre, il va peut-être falloir que je... Ah, non, oui, je sais comment je vais faire pour la monter. Juste passer par l'autre bout ici, là. Là où je suis rentré. Voilà. Et voilà. Point de sauvegarde. Fight nature. T'es sérieux? Sérieusement là?
est encore intact. Mais bon. Je pourrais pas récupérer de toute façon ce corps, je pourrais pas y retourner dedans. J'en ai perdu 40 thorium. Ça le fait pas là. On va récupérer ce petit caillou. Maybe they were trying to keep things out, but to keep something in. Jink. On casse tout. On est juste en train de tout démolir. Mais pour se faire. Pour avoir toutes les ressources du monde. Du métal et du silicone. Et du carbone et weight. Peut-être que je peux passer là-dessus comme à l'autre endroit. Oui, parce que pour savoir les commandes, j'attends pas que le tutoriel me les dise. J'appuie un petit peu sur toutes les touches. C'est un petit peu pour ça là que je me suis retrouvé en squelette. En partie. Parce que la touche pour revenir, se faire réapparaître au dernier checkpoint, c'est la touche back. Et il se trouve que j'ai appuyé dessus par erreur. Hein. Je voulais pas appuyer dessus, mais j'ai, au moins comme ça je le sais. Ouais, son assembleur. Par contre, désolé, mais le jeu est seulement... Enfin, je l'ai seulement en anglais, là. Donc après, peut-être qu'il y a une langue française aussi, mais... dans les menus, j'ai pas trouvé de zone où on pouvait changer la langue. Après, le jeu que j'ai la version normale du jeu. Et une version review sur laquelle je suis. C'était un accès à une bêta, ou je crois. Une bêta ou autre chose, mais c'était marqué review. Ouh là là, ne descends pas tout en bas. Il faut que je pose quelque chose ici. Tac. Et la peau monte. Wow. Let's try this gun. Récupère-moi tout le matos du monde. Ouais, plus tard on aura un vrai dans la suite du jeu, j'espère, on va pouvoir récupérer un corps. Parce que se balader en étant un squelette, ça paraît un petit peu bizarre. Regardez le squelette là-bas. Qui lève sa tête. Voilà, touché. What happened to these guys? Ah, moi je récupère tout ce que je peux récupérer. C'est du matos, c'est des choses qu'on peut récupérer après par la suite, qu'on peut créer ensuite. Ça peut toujours servir. Et j'ai récupéré un flingue grâce à la petite boule qu'il y avait à côté, que j'ai trouvé. Par contre là il fallait que je me couche, sinon ça l'aurait pas fait.
là, c'est ici que tu peux même me le dire alors qu'il y avait plein d'autres patterns comme ça avant. Regardez, je peux carrément le neutraliser. Non, je peux pas le neutraliser comme ça. Mais... voilà. Je suis le seul et l'unique. On balance ça. On balance ça. Histoire de se faire un petit coup pour monter en fait. Juste ça. Balancer un petit peu pour. Mais pourquoi tu me l'affiches là? Je l'ai déjà fait. Il est mort. Arrête de me l'afficher une fois que je l'ai déjà fait ton truc. Ne l'affiche pas à l'infini. Sois un minimum pas trop con. Ouais, si t'as tes mains libres. Y'a rien, ça va. Tech. Et on a récupéré ce qu'il y a au sol. Tech. Normalement, là, j'aurais peut-être dû poser quelque chose. Ça va retomber une deuxième fois. Ça ne me servirait à rien. Fois la manette en fait elle reste bloquée dans une direction, ce qui fait que bah, quand je veux créer quelque chose il tourne. Donc je suis à chaque fois obligé de remettre bien le joystick alors que normalement je devrais pas avoir à le faire. Donc. Hop. Et c'est bon. On grimpe dessus et on peut monter. Nickel. Donc là, je peux avoir. Là, ce que j'ai eu, c'est un plan de l'arme que j'ai dans le dos. Ce qui va me permettre de la recréer à l'infini, à chaque fois que j'en aurai besoin. Ben. Ça sert pas à grand chose, mais au moins, c'est toujours à son prix. Ah, par contre, la grille va m'être utile parce que j'ai un plan qui n'est pas fini. À la prochaine grille qu'on va trouver, je pense qu'il sera fini.
Mais reste là! Arrête de vouloir te barrer, merde! Voilà! C'est bon. Ensuite, ici, on va poser... Je pourrais poser un petit rondin. Un rondin. Un construction trunk. Mais je vais plutôt prendre un triangle. Et le balancer comme ça. Comme ça, de cette façon-là, il va rester bien bloqué. Il ne pourra pas bouger et je pourrai monter facilement. Ok, aussi j'ai à revenir par ici. Voilà. Une petite lampe. Merde, j'ai pété mon arme. Il est où mon minerai? Tac, hop là, je remonte du coup. Donc c'est bien sûr, c'est pas encore le mec. Le mec qu'on avait tout à l'heure, mais peut-être qu'on pourra en avoir un. Un skin comme on voit au-dessus. Ça a l'air de beaucoup faire de bordel de l'autre côté. Ouais. On voit une petite bête là dans le coin. Construis-moi ça et équipe-toi-en. Déjà, tu vas en avoir besoin pour ouvrir la porte, sûrement. The atomizer won't work on anything it deems alive or autonomous. A safety feature, they call it. An annoying nanny nerf, I call it. Je vais t'avoir, hein, saleté. Nénote en haut qui rôde. Bam. Il y en a une autre là. Laisse-toi buter. Bon. Mon corps est plutôt endommagé. Ah, j'ai plus de bras. Wait a minute. I thought this green stuff on the ground was moss, or is it alien bat guano? Ew. Donc l'escape pod est juste au-dessus de nous. On devrait arriver à l'atteindre sans trop de difficultés, sûrement. On va zoomer un petit peu. On va poser un nouveau dummy ici. Et on va se téléporter dedans. Pour l'arme, elle était presque morte. Je le pense, parce qu'elle était orange avant et elle est passée du orange au rouge. Donc je pense que c'est ce que ça veut dire. Je sais que je dis souvent je pense, mais c'est parce que sur certaines choses, je ne suis pas très sûr, parce que là, mon arme ne s'est jamais cassée.
suppositions. Ça doit être l'île. Ouais, ça doit être ça. Bon, créons un autre triangle. Peut-être... comme ça, mais je vais avoir du mal à passer, moi, du coup. Faut que je me mette de l'autre côté. Ok, bon donc, si c'est ce qu'il y a en bas qui gêne, on va le dégager de ce côté-là. On se remet du bon côté et on a fait notre petit triangle. Je vais être trop bas par contre là. Donc je vais mettre des carrés, des boîtes, des bois-boîtes. Là-bas, je peux pas le faire, c'est de l'autre côté. Tac. Et maintenant, on peut mettre le triangle. Il sera assez haut. On peut aller récupérer cette bouboule. Et cette bouboule me donne de l'orium. Cette bouboule de la productivité. Oh, je peux avoir une machine pistole. Je vais garder ça. M'assurer qu'il est plus vivant. Voilà. Juste pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc là. Je tire sur la corde. Il y en a un qui est tombé, du coup il y en a forcément d'autres qui vont tomber. Je suis toujours vivant. Il faut se le dire, j'ai plus de jambes là. Là les cailloux m'ont coupé. Non, pas ça. Non, range-la pas. Tu la balances comme ça, elle sera pas cassée dans le processus.
on rappelle un demi, donc une copie de nous. Que j'ai eu à l'Orium, j'en avais 400. J'ai entendu celle-ci, mais je n'ai pas entendu d'autres. Il s'est fracassé tout seul. Il s'est tué. Le squelette. J'aurais voulu ça faire ça vraiment legit, tu vois, mis un cube et tout, mais... Presque. Oh, dans le récré aussi, je l'avais écrit noté un peu. Donc là c'est beaucoup trop, donc comme tout à l'heure, la technique des caisses. Sur notre rangée, j'ai peur qu'en fait tout tombe. Parce que là, quand il va se poser ici, ça fait quand même. On va faire une deuxième rangée de caisses. Il y a une porte fermée. Il n'y a rien en bas, il y a un chemin. Il y a peut-être un truc qu'on peut faire et on peut peut-être passer dans ce trou-là pour aller couper quelque chose. Yep. 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 Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc,
on va par là. Et la porte s'est ouverte en plus. Attention à pas tomber là-dedans. Non. Non, parce que là-dedans, si je pense que si je tombe là-dedans, mon orium, je le récupère pas. Tiens, là, on a une musique différente. C'est la même mélodie. Ça a l'air d'être la même mélodie. Non, c'est la même mélodie, mais en plus doux. Mais c'est pas grave. C'est une mélodie. Ouais, c'est sûr. C'est la même. Voilà, mais... C'est pas un souci. Le bâtard! Mort comme un caca. I'm gonna make a big omelet. T'as cru que tu pouvais m'avoir? Non. Non mais oh. Non mais on est au début là. Si je retombe en bas, je vais avoir tout le chemin à refaire. Ça me fait chier. Légèrement chier quand même. Voilà. Tac tac. Donc maintenant, j'ai vu que je pouvais aller là-bas, mais j'ai pas de chemin. De chemin pour y accéder, donc bon. Là, c'est le chemin où on a été en face, la grille que j'ai ouverte. Donc, on va remonter par ici. Un point de sauvegarde. Spark station, can always be sparked to by zooming out and clicking its spark icon. Be aware. You will lose your current body. Ouais, on va perdre notre corps actuel quand on le fera. Donc quand, comme si j'appuyais sur back en fait. Hop, on la range, on prend la boîte. On prend l'autre boîte, on prend tout. Et on récupère quand même le matos parce que... Hein. C'est pas que... Voilà, mais voilà. Non, non. C'est mon métal. Patouche. Patouche.
Me dis pas que ce bâtard il est parti en bas. Il y a un piaf qui s'est barré en fait. Et ce piaf a ce que j'ai besoin. À mon avis. Tout le matos. Tout le matos du monde. Oh putain, j'ai bien fait de la lancer. Bon, du coup, ce piaf... Il m'emmerde juste un petit peu. Parce que ce gros piaf là, il s'est barré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter cette montagne. Mais ça va pas être simple. Pour passer au-dessus. C'est l'idée de base. Ou je vais plus loin vers le truc là-bas là qui me semble être un. Qui me semble y avoir quelque chose. Parce que là on peut ressortir et aller tout droit. Parce que j'ai pas le prochain objectif. Parce que je suis sûr qu'il y a un autre objectif. Eh, ça serait pas une genre de pluie d'étoiles, ça? Enfin, une pluie d'étoiles, une pluie de météorites, un truc comme ça. Étoiles filantes, voilà. Une pluie d'étoiles filantes. C'est quand même magnifique. Magnifique, tout ça. Malgré que mon robot soit un petit peu en mauvais état. Enfin, mon demi... Donc je fais ça. Donc ça va être cube après cube. Ah ils sont là. La rampe des rangers du whist. Genre, je vais monter tout là-haut. Ça peut le faire. Quoique, là où il se trouve, j'ai une meilleure idée qui va me prendre moins de temps et moins de ressources. Thank you.
identities. Skrull. Putain, mais il s'est barré à l'autre bout du monde! Là, on va prendre un rondin. Un petit rondin. Et allez, monte. Voilà, ça y est. Non, je ne vais pas passer par ce point-là pour sauvegarder à cet endroit. Oh, putain, faut que je me prépare quand même avec une arme. Parce que cet enfoiré de piaf, quand même, c'est un bel enfoiré. Il a emmené ça jusqu'ici, le bâtard. Donc pour vous dire, jusqu'au début. Il a l'air d'avoir une petite sphère là-haut. Il me la faut. Il me la faut. Mais je pourrais sûrement la voir un peu plus tard. Range ça. The flight recorder shows a rocket side of door, not far to the east from here. Better go see if we can score a ride up this rock there. Ah, donc c'est une boîte noire en quelque sorte. Non, c'est un. C'est. On peut pas tirer avec. Ah bah. Bon, et bien du coup, on se retrouve au niveau du site de Crash, qui est tout là-haut. Et donc, nous revoilà au niveau du site de Crash. Voilà, le site de Crash est juste un petit peu plus loin au niveau de la genre de civilisation antique. Symbole. Mais du coup, pour la prochaine fois, et bien dans le prochain épisode, on ira au niveau du silo de roquettes pour voir qu'est-ce qui nous attend là-bas. Et donc, et bien sur ce, on va se retrouver dans un prochain épisode. Et si l'épisode vous a plu, et bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu, le partager ou le commenter. Et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est donc la 3 fois que je l'ai dit, c'est absurde.